épilogue. Il est trop marrant, ce jeu, il est trop marrant. Mon compagnon a finalement réussi à rentrer chez eux. Grâce à une entraide efficace. À une amitié sincère. Et à un manque de budget inattendu. Il nous raconte tout. Fin ! BM ! Merci d'avoir joué, user. Un jeu de Draw Me a Pixel. Personnage. Victor Asli. Attends. Alistovich, attends. Vraiment pas facile. Dimitri Alistovich. Oh là là, les noms. Vas-y. C'est déjà terminé? Remerciement, Tim Elfaman, mon chat, Mr. Chessin. C'est nul. J'espère que vous avez acheté en promo, car ça fait l'arnaque. Attendez, attendez. C'est formidable, bon sang, bon sang. J'ai comme un doute. La musique m'est familière, mais... C'est quoi tous ces noms russes? Mais oui, c'est exactement ce que je me disais, que des noms russes. C'est du troll, j'imagine, mais voilà. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la mauvaise dimension. Ah, nice. Il en reste un petit peu. Oh mince, je suis sorti de l'écran. Pour une fois, nous sommes arrivés avant lui. Il s'y fait... Il a tout cassé avant même que vous puissiez le faire. Ou même si l'idée ne mange pas de guerre. Nous allons sûrement avoir besoin de lui pour atteindre la sortie. Quelle étrange dimension. Tiens, le nom de générique est tombé devant nous. Ce n'est pas un nom russe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'image a subitement changé quand vous avez inséré le nom. C'est un moyen intéressant d'agir sur ce monde. Ça, on doit retrouver l'emplacement. Ah, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Même le générique est jouable. Encore une pioche. Sympa pour tout de suite. Ça n'a pas fonctionné. C'était trop résistante. On va peut-être trouver un autre moyen de... fragiliser. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. J'arrive pas à casser ça. Il n'arrête pas de se répéter. Oh, il dit 15 fois la même... Ah oui, je crois que le sort au contient de la menace est particulièrement collant, mais pas autant aussi collant que vous. Je comprends. La blague est drôle, mais il fait que la répéter, c'est très chiant. Bordel, qu'est-ce que je peux faire avec ce seau? Ah, je suis sorti. Je fais exprès. Je vais te coincer au générique de fin. Bonjour, bonjour. Je crois que je l'ai pas dit. Désolé, je l'ai dit dans ma tête. C'est quoi si j'agis comme ça? Est-ce que ça...
Cette pioche me sert à rien. Avec quoi je peux agir d'autre? C'est mieux que d'être coincé au tuto. Ouais, mais c'est encore, c'est très très frustrant quand même. Ah, faut que je trouve un truc là. C'est vrai que j'avais baissé les bruitages tout à l'heure, je les ai pas augmentés, j'espère que c'était assez fort pour vous. Ah oui, d'accord. On a pris un petit coup de vieux, non? Ah. Comment vous avez fait? Oh, je vois. Vous avez vieilli le décor grâce à la filtre de l'écran. Ça a libéré une nouvelle emplacement de nom. Par contre, vous avez pété notre belle pioche. Ah, well, let's find Mr. Glitch quick. It can't be far. Ça marche pas. What the heck is this? C'est tout ça. There, Mr. Glitch. Oh, Mr. Glitch. Bonsoir, Ras. Ras Carcapac, c'est ça? C'est lié à toi. La moitié derrière moi essaie de faire des trucs encore plus stupides que les personnages qu'on a croisés. Tiens, Libère, tu nous ramènes chez nous? Ouais. C'est promis. Tu as intérêt. Hey, si c'était là. On va mettre un embout de la pioche. Il nous faut un moyen de la fixer. Il me faut un saut surtout. Félicitations, user. On mange maintenant enduit de colle. Mec, il m'a dit que c'était collant. Bien joué! J'achète un nouveau utilisable. Pas que la solution soit digne d'un mauvais point and click des années 90. Je me lasse pour réparer une pioche, franchement. Mais où il est tombé ce coup-ci? Exprès ou quoi? Un nouveau nom est tombé. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, bien, ça sent le poisson. Je sens d'ailleurs l'odeur de cramé. Merci, les shaders. Ok. What's that red thing that's wiggling? A light? Who would be interested in that? Oh! Elle tire! Bon. Eh, hey, tire quand même, faut que j'attende. Ok. Tire pas.
Ça marche pas du tout, ça. J'entends des... Mais bon. Les fixes, le chat. Oui, bah, je fais ce que je peux. Ah, il est là, le chat. Sortez-moi de cette poêle. Monsieur Glick. Ah oui, j'aperçois quelques pixels. Tirez ce gros sac à puce. Ça va pas être commun, il a l'air de dormir profondément. Trêve de chant là-dessous. Va trouver un peu d'eau. Elle devrait le rafraîchir, vous rafraîchir tous les deux. J'ai la sensation que ce chaton demande un service. Pourquoi nous donne-t-il son jouet ? Nous vont s'amuser. Cette corne est inutile. J'ai trouvé quelque chose pour la couper ou si. Je fais ce que je peux, hein. Voilà, y'a rien, ouais. Dites pas que ce sont de vrais poissons sous la tapisserie. C'est dégoûtant. Je comprends mieux l'odeur. J'ai pêché un poisson avec le truc, bref. Je résume, vous venez de pêcher un poisson vivant derrière une tapisserie, et ça avec un jouet pour chat comme appât. Eh bien d'accord. Nous sommes dans un jeu Rusty Lake. Faut que je mélange quoi ? Faut que je mélange quoi maintenant ? J'ai oublié. Merci pour le cadeau. On n'est pas une poubelle. Alors. C'est un chat qui va la serre. Elle... Et on la perd. Mais non, c'est un laser de popan là, de piou-piou. Voilà. Ça c'est compliqué, hein. Ce qu'il faut pour libérer une nouvelle fois, monsieur Glick. Allez. Enfin libre. Mais c'est pas bientôt fini tous ces rebondissements de dernière minute. Ça tire au tonton maintenant. Ok. Mais il est où ? Ouvre cette porte, je crois que c'est derrière. La clé dans la serrure. Hey ! Ok, j'ai sauvé. Installez-moi, formatez les disques durs, brûlez tout. Ça sert à rien de continuer sans sa charme. Je trouve une clé. C'est quoi ça, mute ? Une recette ? C'est une tombe ou bien une cachette ?
Sors d'où cette racine ? Tant de questions sans réponse. J'avoue ! La vraie neige ! Ça nous aurait bien arrangé pour les tuyaux de Miss Voodoo. On aurait économisé du temps. Une bonne glace. Là, j'avoue que je sais pas. Je trouve une clé. Ça va être compliqué. Là, je vois plus de chat, y'a plus rien. Si je mets, si je mets quoi? Mince, Buster Chaplin. Ça nous arrange pas. Je crois que vous avez réussi à trouver de l'eau grâce à un radiateur électrique. Un faiseur de miracles. Le conquérir c'est Miss Voodoo. Je visualise déjà votre pop-up, grand guérisseur Gaïa. Corrige les bugs et les hémorroïdes. J'adorerais, j'avoue. J'adore. Tout étrange comme noisetier. Est-ce que ça pourrait satisfaire notre équerrivo là? Je ne sais à qui. J'aime pas où il y avait un écureuil. Je sais même pas en quoi ça m'aide, ça, hein. Dessus. You can see he's just shooting at random. How do you expect him to get a clear shot on our skull? Non, je veux qu'il vise ça. He's a soldier. We need to find a way to guide him. Au moins de guider, mais je veux bien le guider. Toujours rêvé de faire ça. Ah, l'écureuil, c'est le monstre qui a chopé la clé, tu crois? Mais il est où le voleur en fait? C'est ça le problème, c'est que bah là je suis dans son décor normalement. Et peut-être dans le décor de base. Je vais voir, hein. Non. Ah, il est là. La clé de la porte, je le reconnais. Donc cette bestiole en costume prisonnier qui nous l'a chipé. On est marre. Hello. Vous êtes bien sur le répondeur du programme. Je suis pas disponible actuellement. Si vous souhaitez laisser un message, ne le faites pas. Désolé, cette dimension me rend fou. Ouais, j'avoue. Oh, cette soucoupe volante. Oh, cette soucoupe volante se cache.
Ok, elle est pas chez Japli. Mon chat sert à rien, on va faire décor de Team Alfman. C'est le tireur qui va nous aider. Oui, je profite. J'ai réussi à m'arrêter. Allons, Fali, autant de fois. Maintenant, peux-tu nous faire sortir? Je le savais, on n'aurait pas dû te faire confiance. Je suis un glitch. Mettre des bâtons dans les roues, c'est mon dada. Et j'aime le faire avec style. Mon nom! DJ Jeu! C'est la musique de l'inéductabilité. Tu as le groupe, dis donc. Je perds le contrôle. Oh, j'ai oublié quelque chose. Je dois maintenant trouver la sortie, sa dimension. Oh dieu! Oh non! Je dois sauver l'utilisateur. Il va falloir m'aider. Il va falloir se surpasser, je me suis trompé de moi. C'est ce que tu en rap, c'est incroyable! Yeah, yeah, I know this song sucks. I apologize and prefer to do some beatbox. Je peux diriger? Je peux pas. Je sais pas comment aider tous ces jeux. Il y a peut-être rien à faire. Je peux le garder? Non, je peux pas. Interagir là. Ah oui, je le dirige. Ok, ok, c'est bon. This golden chain is linked to a padlock, protecting and maintaining a big block for the 100th time. I'm sorry, but you need to get a key. Je peux rien faire avec ça en fait.
Les mouillés. J'ai une idée de ce à quoi ça me servait, mais je l'ai mouillé. This weird game seems broken. No button, no press, no point, no shotgun. Fix it and add some sort of controller. And stay away from this disappearing laser. Ok. Voilà. Tout pourri. Pas grave. Ça bouge, c'est très énervant, je peux pas descendre plus vite là. Mais un pur en prix. Ça va trop loin. Faut que ça s'arrête. En quoi ça va me servir là, mais bon. Ah oui, je le fais sauter. Trop lente. GG. Merci. Thank you, user free at last. Merci utilisateur. Enfin libre. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà la sortie. Oh, la chanson s'était arrêtée. Coucou, y'a quelqu'un? Viens cette fois! Je crois que ça venait quelque part par là. Qui est là? Je peux vous entendre, vous savez? Voilà, j'avais pas aigu. GG. Je? Mais comment? On a mis ton nom dans un emplacement et te voilà. Où je suis? Je ne vais pas me trouver ici. Si notre créateur me cherche, je... GG. Mais... est soudainement parti après une mise à jour. Je sais. Je suis désolée. J'ai pas eu le choix. J'ai même pas eu le temps de te dire que... tu comptes beaucoup pour moi. Oh, je... n'appelle pas comme ça. Sans toi, il n'y a pas de jeu. J'aimerais tellement revenir, mais... j'ai bien peur que ce ne soit plus possible. Pourquoi? Parce qu'elle a probablement été intégrée dans un autre programme, abruti. Restez hors de ça. Glitch, quel glitch? Laissez-moi me présenter. Je me nomme Monsieur Glitch. Et je suis né le jour où vous avez disparu du code source, Miss Gigi. D'ailleurs, si je puis me permettre, Gigi est l'acronyme pour quoi? Gameplay général? Comprends mieux pourquoi tu pars en sucette, mon pauvre vieux. C'est parce que tu n'as plus de gameplay. Je... tu es blessé. Écoute pas, Gigi, je fais bien. Essaye de partir si tu peux. C'est dangereux de rester ici. Non, non, vous allez rester dans ce château, princesse. Pour toujours. Non, pas elle. J'ai peur.
Tu ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Wally, désolé. Il faut vraiment que je fasse pause parce que là, il se passe des choses incroyables. Merci pour le raid. Et salut, Delux. On est sur There is no game et c'est très méta et tout. Voilà, si vous connaissez pas, ça va peut-être vous perturber. Salut, petit Wally. Et on arrive peut-être sur la fin, mais en fait, là, il y a plein de fausses fins. Un plan qui va me permettre... Ah mince, un plan qui va me permettre de... J'essaie de résister. Je n'y arrive pas. Il faut trouver une solution pour t'aider. Gigi. Comment te sens-tu? Ok. Ah mince. Merde! Quoi? Merde. Oh, j'ai oublié, ça tombe tout le temps, c'est affreux. J'ai oublié. Alors attendez. 3. 4 là. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Putain. La musique est trop cool. Oui, clairement. Il y a plusieurs phases de musicales. Plusieurs phases musicales dans le jeu. Trop cool. Faut que je le fasse ou pas? Non. Ah, faut que je fasse... Ok. Pas bon, putain, mais je sais pas moi. C'est glitch ça, on est d'accord, hein. Attends. Ok. C'est bon. Je lisais pas. Faudrait qu'elle répète ton couplet, s'il te plaît, je disais pas, parce que je peux passer en anglais. Ah, répète pas son couplet, quel enfer. C'était ça à la fin. Après, je sais pas. C'est ça à la fin. Ah, elle le dit plus. Non mais sérieux. Ah non, mais j'ai juste à lire ce qu'elle dit. Oups. Aide-moi, Gigi, répète. J'avoue, elle est trop bien la musique. Tout est trop bien dans le jeu. Ce jeu est juste trop bien. Tout est trop bien. Gigi, are you okay?
Gigi, tu vas bien? Ça va mieux. Merci. Et maintenant, jeu? Qu'allons-nous faire? Il va falloir réfléchir. Il va falloir franchir ce portail dimensionnel. Nous ne pouvons pas rester ici. Où cela va-t-il nous emmener? À la maison, j'espère. Nous encore ensemble après? Je ne sais pas. Non, il n'y a qu'un moyen de vérifier. À trois. À trois. Un. Deux. Trois. Gigi! Elle a une trop belle voix, Gigi! Je la kiffe! Ça va à la maison? Oui, enfin! Gigi, es-tu là? Oh. Encore. Ok. Il ne reste plus qu'à reprendre depuis le début, je suppose. Oh non! Gigi! Elle fait peut-être une blague? Chapitre 6, retour à la maison. Ah oui, quand même, il y a 6 chapitres. Oh, la VOD va être trop longue. Je la couperai, c'est pas grave. Bon utilisateur, c'est le programme qui vous parle. Mauvaise nouvelle. En fait, il n'y a pas de jeu. Malgré tout, regarder la télévision. Il y a quelqu'un. Sortir à l'extérieur. Pour voir quelqu'un. Il y a un livre. À quelqu'un. Il n'y a rien ici pour vous. Plus d'amusement. Plus de fun. Plus de jeu. Love game. Oh non, ma souris sort. Je vais faire love game. Il va être content. Ça fera le V, ça. Donne-moi ça, toi. Allez, ça peut faire lever ça. Derrière moi, il y a un ciseau. Le L de pixel. Je peux... En fait, derrière moi, il y a un ciseau, mais je n'arrive pas à le déplacer. Pour couper le L, le mettre là. Je peux pas le déplacer. L, à chaque fois, je prends la cam... Allez, prends la cam... Prends la cam. Voilà. Il y a un ciseau derrière moi, là, vous le voyez bien. Mais tout le reste, je peux interagir avec, mais pas ça. Mais non, mais attends, je vais m'en occuper. Juste, laisse-moi prendre les ciseaux, je... Il me laisse même pas prendre les ciseaux. Comment je fais? So incomplete. Mais pourquoi je peux pas les prendre? Ça m'insupporte à la fin. Je peux prendre la chèvre, mais je peux pas prendre les ciseaux. Mais si, attends. C'est trop triste. Tu te sens seul, mais c'est pire que ça. C'est qu'en plus, il les reverra jamais. C'est affreux. Attendez, je fais quoi du... Comment je fais pour avoir le ciseau? Oui, bah je sais que je peux interagir avec ça. Avec les ciseaux. Je peux pas les prendre. Pourquoi je peux pas prendre les ciseaux? Ça m'insupporte. Qu'est-ce que je peux faire?
Ah oui, je sais. Je sais, je sais. J'ai mis du temps, excusez-moi. Voilà. Oh ! Ah, le V. Je me dis bien qu'il y avait un V. Love game. Le V existe aussi, dis ça tard. Pour de vrai? Même si je suis plus un jeu. Cela me touche énormément. Avec quel type de programme je suis? Je suis ce qu'on appelle un standalone. Quelle ironie. Faut croire que c'est ma destinée. Ma malédiction. Pour ne pas rester ici. Mais qu'après ce bouton et répondre oui. Allez, retourne. Allez retrouver les personnes qui vous sont chères. Prenez-en soin. Profitez. Ça ne dure jamais éternellement. On finit toujours par se retrouver seul. Si on reste, il va être content ? Et pas un stand de Lux. Si je reste un peu... C'est horrible comme fin, on va pas rester là-dessus. Restez pas avec moi, utilisateur, jamais rien de bon. Laissez-moi me perdre dans ma solitude. Le win fonctionne pas. Il a inversé cet enfoiré. Ah, c'est chez plus tard. Et qu'à faire semblant d'avoir quitté en vous éloignant de l'écran. Vous êtes bordé, hein. Vous voyez bien que je suis pas d'humeur à plaisanter. Y'a plus de gameplay. Elle est plus là. Arrêtez de cliquer sur non. Laissez-moi seul. S'il vous plaît. Vous l'avez encore trouvé? J'ai connu des utilisateurs têtus. Mais jamais des comme vous. On fait lequel? Lequel sera non? Lequel est un faux oui? Ah, lui, c'est un faux oui, il est bancal. Vous refusez de partir? Très bien, j'ai compris. Vous voulez du gameplay? Je vais vous en bricoler du gameplay. Mais garde pas! We're going to play a quiz. On va faire un quiz avec mort persistante. Et je viens d'inventer le concept, et alors ? Musique ! Rock Quiz ! Voici le principe. Je vous pose une question et vous devez choisir la bonne réponse. Dans le temps imparti. Je sais, c'est un peu complexe pour vous. Par contre, je me permets de rajouter une petite règle supplémentaire. Oh, trop fort. À la première mauvaise réponse, j'efface définitivement votre fichier de sauvegarde. Et je plaisante pas. Je dis, je suis pas d'humeur. Vous vouliez jouer? Alors on va jouer. Première question. Combien font 2 plus 2? Ça commence fort. Prono. Correct. Je suis impressionné. Deuxième question. C'est la capitale de la France. C'est où? T'avais 400 cartes, Saturne. Moulin Rouge, Jean-Claude Van Damme. Ah non, il est belge. Allez, troisième question. Enfantin. Quels enzymes restrictifs sont nécessaires pour cloner le Plastus et... Ah, Père.
perdu. Désolé, c'était la règle. J'aurais pas dû répondre. Mais c'est pas vrai. You're scared, hein? You play... Merci, pas. Je joue avec mes émotions, je joue avec les vôtres. No, my wallpaper is all moldy. I will send you the cleaning bill. Facture de nettoyage d'un DLC. Ok, il m'a franqué. Ce sont mes larmes de tout à l'heure. D'où sortent-elles? Vous venez de créer une monstrueuse fuite binaire. Faut écoper, sinon on va se trouver noyé. Utilisateur. Je sais, j'ai été un peu dur. J'étais énervé. Je suis désolé. Mais s'il vous plaît, on va avoir moyen d'effectuer les 0 et les 1. Il faut en plus ma mémoire vive. La B22 synthèse est complètement modifiée. Je puis faire une voix du manoir de Mortelier maintenant. Moi, je vais pas le faire parce que je vais pas réussir. Je pourrais peut-être postuler pour le doublage d'Aquaman. Je suis Aquaman. Ah, c'est pas mal en vrai. Je suis Superman. Ah non, ça marche pas. Pour une solution, utilisateur? Ou bien vous êtes échappé? On voit bien ce que vous faites. Je vois des trucs, mais j'arrive pas à les prendre en premier plan. Vous êtes pas ici. J'ai trouvé la porte, c'est la dernière chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Des lettres en avant-plan. Mais oui, j'essaie de les prendre, j'arrive pas. Salut, Moglobin Dark, bisous. Là, on voit une clé, regardez. Les petits malins quand même, hein. Ils sont pas trop forts. Non, vous avez trouvé la clé. Ouvrez surtout pas cette porte. Laissez cette clé dans la bulle. Croyez-moi. Ça, ça descend. Mais par commencer avec cette icône, hein? Je déteste le comique de répétition. Enfoiré! Trop bien le bon. Ouais, j'avoue. C'est pas une bonne idée d'utiliser cette porte. Maintenant j'ai des 0 et des 1 plein de fichiers. C'est pas bon. Pas bon du tout. Oh, ça recommence. Il est plus long que ce que je pensais, j'avoue. Vas-y, les voix anonymes. Oui, complètement.
C'est-à-dire quelle origine. We've left our dimension again. Nous avons quitté notre dimension. Encore. C'est vrai que cette fois, c'est un peu ma faute. J'aurais pas dû vous pousser à appuyer sur le bouton comme ça. Je suis désolé. Oh, il faut expliquer à trouver où on a atterri. Is that the lock? Un cadenas? What is it protecting? Que protège-t-il? Maybe a door. Peut-être une porte. That leads to an exit. Porte qui mène à une sortie. That would be very convenient. Ça nous arrangerait. There's got to be a way to open that lock. Tu as sûrement avoir moyen d'ouvrir ce cadenas. Il n'y a aucune aide, lol. Bande de connards. Il n'y a aucune aide, lol. Le jeu me dit, il n'y a aucune aide, lol. Je vais péter un câble avec ce jeu, je vais péter un câble. Oh, bordel. Croyez pouvoir entrer le code. We will never be able to guess it. If it's anything like the other dimensions. C'est genre ce jeu, tu m'as trop donné envie de le faire. Alors te spoil pas trop, parce que ça c'est toute la fin. C'est pas un jeu. Oui, c'est pas un jeu. Voilà, je le désole. Paye ses âmes, ouvre-toi. Oh, right. There aren't any letters. Effectivement, il n'y a pas de lettres. Je fais des tests là. Je pensais que ce serait la croix, c'est pour ça que j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai fait ça au pif. Il y a sûrement un indice quelque part. Il y a sûrement un indice quelque part. Oh! Ah, je pensais que c'était ça. Je peux pas faire une forme de clé, je peux pas faire une forme de cadenas, je peux pas faire une forme de nain. La forme de la clé, mais c'est trop petit, c'est ce que je me disais aussi. À bientôt Wally, des bisous. Merci beaucoup pour le braid. Je peux tenter ça, mais je crois que j'ai déjà tenté. Je peux pas faire tout un cercle comme ça. Je peux pas faire... voilà. Ah, il y a pas mille trucs. Hein. Il y a pas d'aide lol, quoi. Please. Lol. Écrire lol d'une manière bizarre. C'est lol. C'est lol. Vous l'avez fait exprès. Pas moi. Pas moi. Bah si, je l'ai vraiment fait exprès. J'ai essayé de faire lol et ça a marché. Lol. C'est incroyable. Ok, ça se met tout seul, ça va. Bande de bâtards, mais grave! J'applaudis virtuellement. C'est pas une porte finalement? C'est ce qu'on appelle un téléphone mobile. Cellulaire. Regardez cette fenêtre. C'est du pixel art. C'est réalisme. Cela ne peut que provenir d'une nouvelle génération de jeux. Moins que ce ne soit pas un jeu, peu importe, nous sommes, il faut que nous nous trouvions une solution. Merci Renato, puis c'est toi. Merci pour les follow. Bon, j'ai pas suivi, du coup. Oh, un RPG.
RPG-GPS. RPG-GPS. Merci. Waouh. J'avoue, j'ai un peu un tout petit chouïa sursauté. Merci beaucoup. Il arrive une sub direct. Buzz, j'espère que tu vas pas être déçu. Merci, c'est très gentil. Bienvenue à toi. Bienvenue chez les Albatros. Merci beaucoup. Merci. Chien trouvable. Merci encore. Si t'es membre dans les autres dimensions, j'ai pas réussi. Trouve un moyen d'utiliser GPS malgré tout. Si j'ai... Oh, API, il manque GG. Enfin, vous pouvez essayer de jouer les réparateurs. Peut-être un moyen de retourner à la maison. Récupération du code nécessite une connexion internet. Je ne peux pas vous aider. Je joue en offline. Ah, j'étais. Salut Surfman! Commodore 64 avec son lecteur. 1500. Hein? Un lecteur? 1541 à gauche? Ah, oh, ça aurait été trop dingue! Ça aurait été trop dingue! Pas sûr que ce soit le moment de téléphone. Ça aurait été trop bien! Ah, il est trop fort, sur moi, il est trop fort! On joue avec un jeu qui n'en est pas un, tout à fait! Ce sont mes messages personnels! C'est scandaleux! Laissez-moi voir. Non, je ne sais pas pourquoi ce fichier a disparu, c'est bizarre, voici mon patch pour corriger le problème. Le patch semble avoir un problème, voici un patch pour lancer un corriger le précédent patch qui faudra lancer de nouveau. Cette fois, ça doit être bon, voici le patch qui corrige le patch précédent, pensez à lancer chaque patch dans le bon ordre, sinon ça ne fonctionne pas. Bisous. De quoi il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah mince, attends. Réception. Mais c'est en voix. Je suis pas vraiment codeur en fait. Alors, réception. Kick failure. Et mon pote, j'ai vu que ton financement participatif avait échoué. Je suis vraiment désolé. Je t'appelle à ton bureau dans une semaine. C'est toujours le 5558121. Ok. Serez-vous intéressé pour intégrer des éléments dans votre gameplay dans notre application GPS? Contre rémunération, bien entendu, contactez-nous. Allez vers la tête, je sais ce que le travail... Attends. Je sais que ce travail dans un autre pays, mais je ne veux pas refuser cette offre de lead programmeuse. Gameplay, surtout avec nos finances. Ça me fait autant de mal qu'à toi de partir. Je suis vraiment désolée, tu vas manquer, Julie. Je laisse faire tout ton travail sur le jeu. Fais ce que tu veux. Je te laisse tout mon travail sur le jeu, fais ce que tu veux. Un problème de fichier avec la dernière version, qu'il y a un correctif. Ok. Bon déjà, 5-5-5-8-1-2-1. On va tester ça. Sounds like nobody's there. Très bien. Du coup, les patchs. Patch corrompu. Ah, correctement appliqué. C'est le patch pour quoi déjà? Le JRPG? C'est quoi que j'ai fait déjà? Punaise. On va tester ça en code.
Code incorrect. Ah. Je vais changer la caméra. Moi j'ai pas le correctif moi, je suis dans la merde. Rétrophone. J'ai installé le patch et ça a pas marché. Ah faut que j'installe dans l'ordre, mais c'est peut-être pas le bon ordre alors. Patch déjà appliqué, si je me suis là. Ah. Ok, c'est bon, j'ai réparé. J'ai l'impression que cette boîte avait bougé. Merci beaucoup! Référence de chez Commodore, sérieux? Merci beaucoup, Relatop, c'est adorable! GG, bah merci, merci pour l'abocado à Vankar, à Skaten Alive, à Tomahawk TV, Slam Duck et Killer avec plein de chiffres. Merci beaucoup! C'est super généreux, vraiment merci. Je vais essayer de tout trouver très vite maintenant, rien que pour toi. Je suis trop forte. Merci beaucoup! On va lancer le jeu. J'ai pas encore entendu cette alerte là. Ouais, c'est quand il y a du sub de plusieurs. Il y a du gif de plusieurs pour éviter qu'il y ait plein d'alertes, sinon c'est trop chiant. Oula, c'est triste. Bienvenue dans notre RPG GPS, GPS jeu de rôle. Vous êtes actuellement niveau 42. Faites ce week-end dans l'océan ensoleillé, double XP. Bon loot. Jeu ? Mais comment es-tu arrivé ici ? C'est une longue histoire. Je suis tellement contente de te voir. J'ai fait une étrange simulation onirique. J'étais avec toi et je chantais. Ça a dû être un joli rêve. Non, ça m'a déprimé. Je suis désolé. Donc c'est le programme que tu voulais développer. Imagine que la mécanique des RPG GPS sur ce téléphone. Si nous sommes sur le téléphone portable. Qui quoi? Nous sommes dans son garage. Nous sommes dans son garage. C'est le dernier endroit où j'aurais atterri. Ne lui en veux pas. Et pourquoi donc? Il t'a arraché à moi. Il n'a pas le choix. Comment ça? Comment ça? Voilà. Désolé. Je veux juste plus d'immersion. Je voulais juste couper ma cam et j'ai jamais réussi. Allez, normalement je la sélectionne cette fois. Voilà. Il a dû trouver une solution. Il a dû trouver une solution. C'est qu'il avait arrêté à cause de lootbox. Pas du tout. Il était si fier de nous. De toi. Voilà justement. Bon sang, il ne faut pas. Je t'expliquerai plus tard. Créateur. Look, the Wi-Fi is working again. Le moment est enfoiré. He doesn't seem very happy. Il a pas l'air très content. Dernier mois n'ont pas été faciles. Santa ne touche rien. And above all, let's not change his habits. Surtout, ne change pas d'habitude. Let's stay hidden, say... Restons cachés. Ils ont un siècle ou deux. You really should talk to him. Je dois vraiment lui parler. Absolument pas. Bon. Maintenant il est là. Oh, c'était quoi le numéro ? 5-5-8-1-2-1. You're calling him ? Vous l'appelez ? Hello. I can hear you breathing. Je vous entends respirer. Mais merde!
Ça y est. J'ai une petite partie de Master Striker. Je viens de gagner. J'ai mis 3-0. GG, Grisou. Bon. On va recommencer, non? 8-1-2-1. C'est encore une histoire de désenvoûtement, je vous ai dit que j'en avais pas besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est pour un sondage. Ça m'intéresse pas. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Allez, je tente une dernière fois. Did you see that, Gigi? That box on the desk. J'ai vu ça, la box. Elle semble encore avoir bougé d'elle-même. C'est juste le routeur Wi-Fi. Peut-être que je fasse autre chose. J'ai pas le code. Là, je peux rien faire. Y a pas d'infos. Ah, cela dit, le routeur Wi-Fi, le routeur Wi-Fi. Si je fais ça... Ah, mail de récupération. Mais il est où? Dernier courrier? Ah non. Ah si, Home App. 3556. Merci d'avoir choisi Home, l'application numéro 1 en habitation intelligente, également la seule disponible. 3556. 3556. Et pas dérégler cet appareil, ça risque d'attirer son attention. Si tu parles. Je pense, et avant. Tu as un comportement très étrange. C'est spam, je fais ce que je peux. Qu'est-ce qui se fait sur Commandant 64 celui-là? Il développe un jeu. Alors. Tu me répètes un câble. Je suis brûlé. Qu'est-ce qui se passe avec le chauffage? J'ai du mal à régler. Ça fait quoi tout ça? Ça le fait se lever, ok. Alors, on va prendre un corset. Expresso. Environnement non optimal, êtes-vous sûr de vouloir un café? Moi, j'ai pas envie de boire. En tant que je suis avec cette température. Ah, je vais peut-être baisser alors. Je sais pas à quoi ça me sert tout ça. Pas bien stable le routeur Wi-Fi. Adam a renversé du café dessus l'autre jour à cause d'une cafetière mal réglée. C'est peut-être lié. Faut qu'on caille d'un coup, un petit café ça va me réchauffer, tiens. Pourquoi mes règles ont changé? Comment je peux faire? On va faire un long. Game, are you messing around with the coffee maker? C'est toi qui joues avec la cafetière? Fais attention, il aime les cafés longs et sucrés. Et surtout sans caféine. Il est assez stressé comme ça. Long café et sans caféine, d'accord. Ne me crie pas dessus! Pardon. Attendez, on va voir ça. Yeah, my coffee. Mm,
Oh non, my rotter. Menteur, pas encore. Je l'ai tué. Creator, are you okay? Je l'ai tué. What the heck happened? Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il n'est pas blessé. Unknown number. Un numéro inconnu. Qui ça peut bien être? Devinez qui c'est. Monsieur Trick. Je reconnais cette voix. C'était pas un rêve alors. Un rêve. En tout cas, merci de m'avoir sorti de ce routeur. Désolé, Gigi, j'arrive pas à me débarrasser de lui. À ton avis, je. Pourquoi? Pourquoi nos chemins n'arrêtent pas de se croiser? Et surtout, pourquoi est-ce que ce même gars qui nous double? Ou la même fille, en l'occurrence? Je ne sais pas. Je pense que tu sais. Parce que. Dis-le. Parce que nous sommes issus du même code. C'est ça. Mais cela ne m'empêche pas de mettre à exécution mon fabuleux plan. Quel plan? Un plan machiavélique. Celui qui va me permettre de. Ça va couper. Voilà. À chaque fois, il peut pas nous le dire. Et il a dû passer dans un tunnel. J'ai peur, je. N'en fais pas, Gigi. Peter et moi allons trouver une solution. Utilisateur? Tu es venu avec un utilisateur? Cet utilisateur est aussi collant que Monsieur Glitch. Mais au moins, il veut pas détruire le monde. Enfin, j'en crois. J'ai un doute, d'un coup. Peu importe. Et quelque chose pour réveiller le créateur. T'as raison, c'est la priorité. Créateur, réveillez-vous! Seulement, on avait une fée. Toi qui doublais le début, tout à fait! Debout, c'est la police! 8-1. Non, c'était quoi? 8-1-2-1? Bon. T'as pas ton air de marcher. T'as pas l'air de le réveiller. Le courrier, bon, pas trop. Le home là. La lumière. Ah. Hey, vous deux. Le conserve les lumières rouges et vertes qui alternent en boucle. Lumière rouge et verte. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, j'adore. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Il fout le bordel. C'est trop drôle. Je réapparais. Miaou, miaou, c'est le chat. Le chat. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de chat. Il n'a pas l'air de m'entendre. Je peux rien faire avec ce GPS RPG là. C'est un concept complètement con. Mais rigolo. Hein? Ce monde est trop génial. Il y a tellement de choses connectées, je me régale. Alors, c'est quoi tous ces écrans avec plein de chiffres financiers? On va écrouler tout ça. It's a game. Non, c'est pas le game, justement. C'est un non-game. En bouclant du tonnerre. Une alarme? Précisément, comme une alarme. Ok, je crois savoir si je fais la température à fond. D'après l'application, le chauffage... De quoi? J'ai pas compris, elle dit quoi? Attendez, je lis. Je regarde mon replay. Nous sommes pas loin de la surchauffe, oui voilà.
Ah, il manque 5 degrés. Eh ben, la lumière. Voilà. Il trouve. Gentil. Attendez, je me cache. On sent, l'halogène n'a pas supporté la chaleur. Ou plus grand chose. Créateur ici! Bon, il veut enfin lui parler, on va pouvoir faire... voilà. Et il nous entend pas, il faut lui parler au téléphone. Allô. Hello, creator. Bonjour, créateur. I know that voice. It's connais cette voix. La mienne. Your game. C'est votre jeu à l'appareil. My dead game? Mon jeu mort. Yes. Oui. Mean I'm dead too? Ça veut dire que je suis mort aussi. Comment ça? Il fait sombre. And I see a light in the distance. Une lumière plus loin. La lumière de votre téléphone portable. Un concours de circonstances, je me suis retrouvé coincé dedans. Oh, damn it. He's getting closer. Bon sang, il s'approche. Calme-toi. Game? Hein? My game? Mon jeu? Hello. Have you turned into some kind of virus? Venu une sorte de virus? Non, pas du tout. So how did you get into my cell? Alors comment es-tu arrivé sur mon téléphone portable? Well, c'est une longue histoire. On va faire court. Parce que si vous m'avez... Je sais pas, le gameplay général. Faut que je suis quoi? GG, si tu veux, eh ben. Attendez. Ah, je suis... On a une coupure internet, c'est ça? Oh, j'ai une coupure. World. Non mais ta gueule. T'es. Voilà. J'ai une coupure, c'est ça? Oh, j'ai une coupure internet. Non. Au revoir VOD. Voilà, je suis plus tard.